Bien, merci. Alors, non seulement j'ai reçu ce mail, mais dans ce mail, il y avait une question. Et elle exposait que je vais vous proposer, essayer de répondre tout bonnement à cette question. Et la question, c'était la suivante. Où est la nation? Est-ce qu'elle est dans les institutions qui représentent le peuple, ou bien est-ce qu'elle peut éventuellement être ailleurs? Et en particulier dans la rue, comme disait le mail, c'est-à-dire dans des actions autonomes du peuple, des actions qui ne seraient pas enfermées dans des mécanismes institutionnels et définies par des procédures. Donc la question, c'est est-ce que le peuple existe en tant qu'agent politique indépendamment des institutions par le canal desquelles sont produites les décisions qui lui sont attribuées? Est-ce qu'il y a une existence propre en tant qu'agent politique? Alors, ce n'est pas très facile, évidemment, de définir ce que c'est qu'un agent politique, mais un agent politique, c'est une entité qui aurait des représentations, qui pense quelque chose, et qui, en second lieu, agit d'après les représentations qui sont les siennes. On appellerait un agent, un être, qui a des représentations et intentionnel et qui agit d'après ses représentations intentionnelles. Alors évidemment, il s'agit de savoir un peu pourquoi on se pose ce genre de questions. La réponse n'est pas difficile à comprendre. On se pose ce genre de questions parce qu'on a bien le sentiment que dans les démocraties contemporaines, le peuple est éclipsé par ses représentants. Ses représentants prennent sa place, décident à sa place. Il y a un mécanisme qui semble être un mécanisme d'usurpation. Et derrière cette accusation d'usurpation, il y a l'idée qu'une démocratie, un régime démocratique, ce serait un régime dans lequel le pouvoir du peuple serait le pouvoir exercé par le peuple, alors que dans les démocraties contemporaines, le pouvoir démocratique, entre guillemets, devient le pouvoir d'une petite élite, de petits nombres, et ça cesse d'être une démocratie. Donc on a, à l'arrière-plan de la question, une définition de la démocratie, ou une définition provisionnelle, si on veut, comme un régime dans lequel le peuple a collectivement la faculté d'imposer ses propres décisions à ses mandataires ou à ses représentants. Tout le monde sait que dans des grandes démocraties comme les nôtres, 60 millions de personnes, 300 millions de personnes, c'est physiquement impossible. Mais derrière la question apparaît l'idée qu'il faudrait se rapprocher autant que possible d'un régime politique dans lequel les mécanismes représentatifs ou de délégation se rapprocherait le plus possible de ce que le peuple veut, que les organes représentatifs ou institués aient une volonté qui est aussi semblable, aussi proche que possible de celle qu'aurait le peuple s'il pouvait s'exprimer directement, ce dont on sait que physiquement il est impossible de le réaliser dans les démocraties. Et donc les questions qui se posent, c'est comment éviter que le pouvoir ne soit en quelque sorte confisqué, c'est-à-dire que les délégués prennent la place de ceux qui leur délèguent le pouvoir? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la représentation demeure représentative, c'est-à-dire qu'elle représente bien ce que le peuple veut? Comment s'assurer, en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de confiscation du pouvoir? Les solutions, elles courent les rues aujourd'hui, ça fait un certain nombre d'années qu'elles sont mises en avant, il y en a plusieurs. L'appel au référendum, on discuterait les grandes questions en faisant directement appel à la voix populaire. On pourrait instituer une très vieille idée des mandats impératifs, c'est-à-dire que les délégués arriveraient à l'Assemblée représentative munis d'instructions de la part de leurs électeurs, de leurs mandants. On pourrait aussi mettre en place un système qui rendrait les mandats beaucoup plus brefs, c'est-à-dire que les mandataires seraient contraints de revenir devant leurs électeurs de façon beaucoup plus fréquente. On pourrait aussi, évidemment, faire des lois qui évitent le cumul des mandats, ce qui éviterait, évidemment, la concentration du pouvoir entre les mains des délégués. Et ceci constituerait ce qu'on appelle une représentation de type mimétique, c'est-à-dire une représentation qui serait aussi proche que possible du peuple lui-même et qui, parce qu'elle serait, par sa composition, aussi proche que possible du peuple lui-même, aurait une volonté semblable à la sienne. Le postulat étant que si l'Assemblée des représentants était composée exactement comme le peuple l'est, avec le même nombre de personnes, le même nombre d'ouvriers, d'employés, de femmes, d'étrangers, par exemple, alors il aurait la même volonté que le peuple lui-même. Et ça n'est que depuis le XIXe siècle qu'on sait que si, dans une population de 60 millions d'habitants, on tire au sort 600 personnes, on va avoir une Assemblée qui a une composition presque exactement correspondante, presque exactement mimétique à l'ensemble de la population. Les lois de la probabilité font que ça ne fait qu'un peu plus d'un siècle que l'on sait ça, d'où l'idée, par exemple, d'avoir une assemblée de représentants tirés au sort.
ou d'avoir une deuxième chambre tirée au sort, c'est-à-dire composée de citoyens ordinaires qui contribueraient à la confection de la législation. Et l'idée, c'est que le régime devient moins légitime, le régime démocratique devient moins légitime toutes les fois que le mimétisme décroît, c'est-à-dire que la ressemblance entre la représentation et le peuple diminue. Et l'idée, c'est que la démocratie n'est légitime que si cette mimétique est aussi parfaite que possible, si la ressemblance est aussi grande que possible. Et donc, on a une exigence de légitimité dans les démocraties contemporaines, qui est une exigence de ressemblance, de participation, de démocratie active, une exigence aussi qui tend à dire que l'essentiel dans un régime démocratique, ce qui constitue sa légitimité, c'est le fait que la législation porte la marque de ce que veut le peuple. La démocratie, c'est une affaire de volonté collective. Et on dégage ainsi une exigence de légitimité. Et on dit que, effectivement, cette exigence de légitimité n'est pas suffisamment satisfaite. Ça fait longtemps qu'on pense ça. Au moment de la Révolution française, il y avait un hurluberlu qui avait proposé le projet d'un mégaphone géant. C'est-à-dire, parlant de la place de la Concorde à Paris, on pourrait être entendu par la totalité de la ville. Et les propositions des hommes politiques pourraient être entendues par l'ensemble des citoyens de Paris, et ensuite ils pourraient voter sur des propositions faites. C'est donc une idée qui hante la pratique de la démocratie depuis très très longtemps. Et quand on la considère, elle nous paraît absolument légitime au sens propre. C'est-à-dire que cette exigence, si on veut, de participation, qui est une exigence de légitimité, nous paraît d'une certaine façon incontestable. Mais dès qu'on tourne la page, on s'aperçoit que cette exigence de légitimité, bon, non seulement elle n'est pas satisfaite pour des raisons qui sont matérielles, parce qu'il n'est pas possible d'assembler le peuple et de le faire voter concrètement sur l'ensemble des mesures qui pourraient être proposées, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas seulement une impossibilité matérielle. Ça fait longtemps qu'on sait aussi qu'il y a des impératifs dans une pratique démocratique qui font que le mimétisme, c'est-à-dire la représentation légitime, au sens d'une représentation parfaitement semblable au peuple lui-même, les exigences d'une représentation mimétique ne doivent pas être satisfaites. C'est pas seulement qu'elles ne peuvent pas l'être, c'est qu'elles ne doivent pas l'être. Parce que si elles l'étaient, il y a des valeurs essentielles dans une démocratie, dans un régime démocratique, qui ne seraient pas satisfaites. Je vais recouvrir ces valeurs en les appelant non plus de la valeur de la légitimité, mais de la légalité. Donc je vais opposer légitimité et légalité. On a compris ce que c'est que l'exigence de légitimité, mais il y a aussi une exigence de légalité. Qu'est-ce que c'est que cette exigence de légalité ? L'égalité au sens de légal, hein, la légalité du pouvoir. Pas la notion d'égalité, mais la légalité. Cette valeur de légalité, elle est ramassée en quatre exigences qui semblent assez simples. Dans un régime démocratique, on a besoin d'une volonté unique. Et lorsqu'on tire la démocratie vers la participation, cette volonté unique tend à se défaire. Donc, on doit éviter d'aller vers une représentation qui imite totalement le peuple lui-même, parce que l'exigence d'unité de la volonté ne serait pas satisfaite. Donc, la première valeur, c'est l'unité de la volonté, qui ne peut pas être satisfaite dans le cadre d'une mimétique parfaite ou dans le cadre d'une problématique qui donnerait au peuple une existence en tant que acteur politique autonome, indépendant de ses représentants et de ses mandataires. La deuxième valeur, c'est la délibération. Je vais revenir sur chacune d'entre elles un petit peu en détail, mais on sait qu'une décision démocratique n'est pas seulement une question de volonté. Il ne s'agit pas de savoir que voulez-vous, mais il s'agit de poser une question: quelle est la meilleure solution que nous devons adopter ? Et pour que nous puissions répondre à la question « quelle est la meilleure solution que nous devons adopter ?», nous devons échanger nos points de vue. Nous ne pouvons pas seulement consulter nos volontés respectives, ça n'est pas possible. Donc il y a une exigence de délibération qui implique que le peuple ne peut pas vouloir directement, ne peut pas consulter l'ensemble des individus et savoir ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'échange. Et cette valeur-là ne peut pas être satisfaite si l'on met l'accent de façon excessive sur la valeur de la légitimité. Il faut donc se déplacer vers la valeur de la légalité pour faire surgir le mécanisme délibératif qui semble incontournable, absolument indispensable. La troisième valeur, extrêmement difficile évidemment à accepter, mais il semble quand même qu'en matière politique, on puisse penser qu'il y a des problèmes de compétences qui se posent.
que l'ensemble des citoyens ne sont pas également compétents et que donc nous n'avons pas intérêt, si nous avons des décisions capitales à prendre, à consulter la volonté de l'ensemble des citoyens, mais à essayer de mobiliser non seulement l'avis, mais l'influence des citoyens les plus compétents. Et si nous voulons que cette valeur de la compétence soit intégrée à nos décisions démocratiques, alors il va falloir s'éloigner de la légitimité et se rapprocher de la légalité, c'est-à-dire avoir un régime qui n'est plus assis sur la volonté de consulter le peuple en tant que tel, en tant qu'acteur autonome, mais d'avoir un acteur de substitution qui ait cette caractéristique d'être compétent, en plus d'avoir cette capacité d'avoir une volonté unique, en plus d'avoir cette capacité de délibérer, d'avoir aussi cette capacité de compétence. Et puis la quatrième valeur, je n'y reviendrai pas puisque vous l'avez un peu étudié ce matin, c'est le problème de la cohérence. Ce dont nous avons besoin dans un régime démocratique, c'est d'avoir des décisions qui sont harmonisées ou cohérentes entre elles. Et si nous avions un régime dans lequel, sur chaque décision à prendre, nous consultions la volonté du peuple, alors il serait parfaitement possible que les décisions successives prises par cette masse d'individus décidant chacun pris à part ne soient pas cohérentes entre elles. Donc là aussi, l'exigence de cohérence de l'action politique qui définit un acteur, justement, qui définit un acteur en tant qu'acteur indépendant et autonome, cette exigence de cohérence nous fait nous déplacer de l'exigence de légitimité vers l'exigence de légalité et nous fait abandonner l'idée que notre régime serait parfaitement démocratique si les décisions étaient prises par le peuple lui-même. Alors, un dernier point à titre d'introduction. Tout le monde sait, ça a été souligné à de multiples reprises, en particulier dans un livre de Bernard Manin sur les principes du gouvernement représentatif, un livre classique sur la question, que le mécanisme d'élection, le fait d'élire des représentants, le fait d'élire des gens que nous mandatons pour décider à notre place, le mécanisme d'élection est un mécanisme par essence aristocratique. C'est quelque chose que l'on sait absolument depuis longtemps. Pourquoi est-ce que c'est un mécanisme absolument aristocratique ? Manin l'explique très bien. Quand vous élisez quelqu'un, vous sélectionnez une personne parmi d'autres. Si vous sélectionnez une personne parmi d'autres, c'est que vous reconnaissez dans cette personne une caractéristique que les autres n'ont pas. Donc vous reconnaissez cette personne comme meilleure que d'autres. Et le gouvernement des meilleurs, c'est l'aristocratie. Donc le régime électif est un régime de type aristocratique. C'est un régime qui consiste à sélectionner les meilleurs. Le régime aristocratique de ce genre, il est compatible avec la démocratie. Manin l'explique très bien. Il est compatible avec la démocratie à une condition. C'est que la caractéristique en fonction de laquelle la sélection s'opère soit sélectionnée par le peuple lui-même. Donc le peuple sélectionne les meilleurs, mais c'est lui qui dit qui sont les meilleurs. C'est lui qui définit le critère. Si le critère était défini indépendamment de la volonté du peuple, alors nous serions dans une véritable aristocratie. Mais si nous avons un régime de choix accompagné d'un régime dans lequel le peuple est lui-même capable d'énoncer quel est le critère en fonction desquels il veut choisir ses gouvernants, alors le régime électif serait compatible avec la démocratie. Et après tout, un régime démocratique, on pourrait avoir un choix électif. Nous choisissons d'élire une femme, par exemple, ou bien quelqu'un qui a les yeux bleus, ou bien quelqu'un qui mesure plus d'un mètre 80. N'importe quel critère peut être sélectionné par une masse d'individus, mais il reste qu'il y a une sélection, il y a un choix. Il y a des individus qui sont rejetés, comme ne possédant pas cette caractéristique, et puis il y a des individus qui ne sont pas rejetés parce qu'ils possèdent cette caractéristique. Alors maintenant que les choses sont un tout petit peu plus claires, si on veut, on voit que nous avons deux exigences qui sont divergentes. Une exigence de légitimité, dite en termes de volonté. Nous voudrions, les régimes démocratiques contemporains voudraient que le peuple s'exprime par lui-même et que les décisions politiques portent la marque de la volonté collective des individus. Cette exigence de légitimité paraît à la fois incontournable et très bien fondée. Lorsqu'on l'examine, on s'aperçoit qu'elle n'est pas exclusive. Ça ne peut pas être la seule exigence qui figure dans le programme ou dans l'agenda d'un régime démocratique. Il y a une exigence de légalité. Et par conséquent, il faut essayer de comprendre si on peut ou si on doit harmoniser les deux exigences et si oui, comment. Alors, pour essayer de développer un peu plus avant ce propos, je vais revenir très brièvement sur les quatre exigences légalistes. Unité de la volonté, compétence, délibération,
cohérence. Ensuite, j'essaierai de montrer pourquoi ça constitue un programme politique qui, conduit à l'usurpation de la volonté populaire. S'il n'est pas corrigé, il conduit à une confiscation du pouvoir par les élites. Et donc, j'essaierai d'exposer en second lieu des propositions politiques émanant de penseurs de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle qui sont partisans d'un gouvernement du peuple par lui-même, en disant « réduisons l'usurpation autant que cela est possible ». Dans un troisième temps, j'essaierai de montrer que les arguments mis en avant par ces penseurs du XIXe siècle sont absolument insatisfaisants. Nous ne pouvons pas les accepter. Ils ont été critiqués justement par des adeptes, et des adeptes très conscients du régime représentatif, et les critiques émises par les adeptes du régime représentatif sont dévastatrices. L'idée de gouvernement du peuple par lui-même est une absurdité à la fois logique et politique, et on peut essayer de comprendre pourquoi. Une fois qu'on aura compris que les arguments qui s'opposent à l'idée de gouvernement du peuple sont décisifs, ils détruisent cette idée, il nous restera à récupérer l'acquis, disons, de ceux qui prônent un régime de type représentatif et à comprendre si on peut injecter de la participation en échappant aux critiques qui sont formulées contre l'idée de la présence en personne du peuple dans le processus politique. Est-ce qu'on peut réinjecter cette présence dans un processus qui est d'essence représentative? Est-ce qu'on peut marier les deux? Alors, très brièvement sur les quatre exigences. L'exigence d'unité de la volonté, je ne vais pas aller très loin, mais je veux juste mentionner une transition entre un auteur du XVIIe siècle et un autre, Grotius et Hobbes. Grotius et quelques autres, notamment Samuel Pufendorf, proposaient l'idée suivante. Je vais distinguer entre ce que j'appelle une association et une cité. Une association, ce sont des gens qui se rassemblent avec le projet de se gouverner ensemble. Mais comme ils sont simplement rassemblés en un même lieu et que dans leur tête, il y a des projets semblables, mais il n'y a pas de volonté commune, ils ne peuvent pas se gouverner et ils ne se gouvernent pas. Il n'y a pas en eux de puissance législative, de puissance souveraine, de puissance de faire des lois. Ce sont simplement des gens qui ont l'intention de former une société. C'est une association. Et ils ne deviennent une cité que lorsqu'ils instituent un pouvoir souverain de faire des lois. En sorte que l'association n'a de pouvoir de gouverner qu'en puissance. Le pouvoir de gouverner n'existe en acte que quand cette association a désigné un souverain habilité à faire des lois. Et donc Grotius distingue deux types d'agents politiques, un agent potentiel, le peuple, et un agent en acte, le souverain capable de faire des lois. Et il définit l'association, le peuple, non pas comme un agent politique capable de se gouverner lui-même, mais comme un type d'agent très particulier qui a une capacité d'instituer un mécanisme par lequel il se gouvernerait. Comme s'il avait en puissance de quoi instituer un gouvernement, mais il n'a pas un gouvernement lui-même. Et à un moment, Grotius utilise une comparaison qui est très éclairante, c'est le cas de le dire. Il dit « qu'est-ce qu'il voit ? La personne ou l'œil ?» En un sens, c'est la personne qui voit. C'est moi qui vois, c'est moi qui vois, c'est moi qui vois, c'est la personne. Mais en un sens, c'est l'œil qui voit. C'est lui, il n'y a que l'œil qui voit. La personne ne voit pas sans l'œil. Dans la personne, il y a une puissance de voir, mais dans l'œil, il y a un acte de vision. Et dans une société, il y a une puissance d'instituer un gouvernement. Dans le gouvernement, il y a une puissance qui est devenue un acte de faire des lois. Comme vous le savez, cette idée, cette distinction entre association et cité, hein, Grotius distingue les associés, les associés, et les citoyens, les cives, les subditi, ceux qui sont membres d'une cité. Comme vous le savez, cette distinction a été radicalisée par Hobbes, parce que Hobbes dit « cette affaire d'association, c'est une aimable plaisanterie ». Il n'y a que deux options possibles. Soit nous sommes dans une situation de dispersion radicale des volontés, chacun dispose d'une volonté qui lui est propre et ordonne ses actions d'après ses propres représentations en fonction de sa propre volonté, laquelle pour Hobbes est aussi une certaine forme de représentation, mais peu importe. Soit au contraire, nous sommes dans une situation tout à fait différente, qui n'est plus celle d'une coexistence d'individus séparés qui caractérise l'état de nature, nous sommes dans une cité, c'est-à-dire que nous avons délégué notre puissance de vouloir
a un représentant. Et désormais, ce que veut ce représentant, nous le voulons. Si nous n'acceptons pas cette fiction qui consiste à dire que la volonté de notre représentant, c'est la nôtre, alors nous revenons à la situation antérieure dans laquelle chacun est à la disposition de sa propre volonté. Cette analyse est très très importante parce qu'elle a introduit dans la philosophie politique occidentale l'idée qu'il n'y a pas d'action commune sans représentation. Il n'y a pas d'action commune sans délégation. Nous ne pouvons pas agir ensemble en tant que sujet politique sauf à déléguer notre capacité de vouloir à un tiers. Nous ne voulons ensemble que si quelqu'un veut à notre place. Ce qui est un paradoxe, mais Hobbes montre très bien que c'est un paradoxe absolument incontournable. Cet agent, ce représentant qui veut à notre place, ça peut très bien être l'assemblée du peuple tout entier. Mais vous voyez bien que l'assemblée du peuple tout entier, c'est un corps institué qui requiert des règles de fonctionnement. C'est-à-dire, il doit se donner le principe de la majorité pour pouvoir décider et il doit édicter la règle que la minorité obéira à ce que voudra la majorité. C'est une institution. Elle n'existe pas à l'état naturel. On en parlait tout à l'heure. On est passé par un contrat de délégation d'une situation de pluralité des volontés à une situation d'unité de la volonté. C'est un des acquis de Hobbes essentiel d'avoir montré qu'il n'y a pas d'existence du peuple en tant qu'unité politique en dehors de ses représentants. Et dans plusieurs textes que vous connaissez bien, du Décivet et du Léviathan, Hobbes se moque de ceux qui pensent que le peuple existe en dehors de ses représentants et pourrait vouloir quelque chose. Il dit en dehors de la représentation que nous avons instituée, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des individus. Et il y a un terme méprisant pour en parler, il y a une foule anarchique, une foule désordonnée, c'est-à-dire une foule qui est dépourvue de volonté unique. Donc ça, c'est une valeur qui suppose que le peuple ne peut pas, logiquement parlant, être un acteur politique indépendant. Une seconde valeur, c'est celle de la délibération. Ça fait longtemps que l'on sait aussi que les délégués ne sont pas porteurs d'ordres qui leur sont donnés par leurs électeurs, mais qu'ils sont mandatés pour débattre ensemble avec les délégués des autres parties de la nation des problèmes qui sont à résoudre pour la nation tout entière. En sorte que si vous êtes élu par Toulouse ou par Paris, vous n'êtes pas le député de Toulouse ou de Paris, vous êtes le député de la nation entière, mandaté pour discuter avec les autres députés de la nation entière sur les questions de l'heure et sur les décisions qu'il s'agit de prendre. Cette délibération serait rendue absolument impossible si nous voulions faire du peuple un acteur résolument indépendant des mandataires qui sont les siens. Seuls des mandataires habilités sur une base qui n'est pas celle du mandat impératif, mais qui est celle du mandat général, qui consiste à dire « agissez pour le bien de la collectivité », seuls des mandataires de ce genre peuvent délibérer les uns avec les autres. Et on voit bien qu'il n'y a pas de gouvernement démocratique sans cette injection d'une valeur de légalité, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a de la délibération que nous avons peut-être la garantie que dans les décisions qui sont prises, il y a une certaine forme de rationalité et de sagesse. C'est pas sûr, mais on peut penser que nous avons cette exigence et que nous avons en particulier le devoir de mettre en place un gouvernement qui puisse faire état justement de sa capacité à prendre des décisions rationnelles. La troisième valeur, c'est la compétence. Là aussi, ça fait longtemps qu'on sait que le peuple est un ramassis d'ignorants, un ramassis d'imbéciles qui ne pensent pas plus loin que leur nez, et qu'un régime démocratique digne de ce nom est toujours muni d'une procédure de filtrage. Montesquieu, vous le savez, dans l'Esprit des lois, a ce texte célèbre où il explique que le peuple est capable de choisir ses mandataires. Il est capable de reconnaître les hommes capables de prendre des décisions éclairées. Mais il n'est pas capable lui-même de prendre des décisions éclairées. Quand on scrute le texte, on voit pas très bien quel est l'argument que Montesquieu emploie. Le peuple est capable de reconnaître qui est capable de prendre des décisions éclairées, mais il n'est pas lui-même capable de prendre des décisions éclairées. En sous-main, sans doute, figure l'idée qu'une décision éclairée est nécessairement une décision délibérée, bien que Montesquieu ne le dise pas en ces termes. Mais l'idée que les mandataires doivent avoir une compétence que les citoyens ordinaires ne peuvent pas posséder est toujours présente. Comme vous le savez aussi, ce débat a ressurgit avec une acuité particulière au moment de la fondation de la Constitution américaine, dans l'opposition entre un parti qu'on a appelé antifédéraliste et un parti qu'on a appelé fédéraliste.
les antifédéralistes étaient partisans de maintenir les États américains dans une indépendance relative les uns par rapport aux autres, en arguant que seul sur un petit territoire, le peuple peut maîtriser son destin et se gouverner lui-même. Et il voulait bien une représentation fédérale, à condition que cette représentation soit absolument mimétique. C'est-à-dire que la représentation épouse exactement les contours et la composition du peuple américain. Et à l'inverse, les fédéralistes, dont le principal représentant est James Madison, comme vous le savez, ont proposé une théorie politique qui montre qu'il faut différencier démocratie et ce que Madison appelle une république. Et dans une république, il montre que les gouvernants sont filtrés à plusieurs niveaux pour dégager une élite de la compétence, et que ceci est d'autant plus possible que le territoire est vaste, et que donc, contrairement à ce que l'on croit, nous pouvons avoir un gouvernement légitime et conforme aux vœux populaires, non pas dans un petit État, mais dans un État de grande taille. Et une des conclusions les plus surprenantes à laquelle Madison parvienne, lorsqu'il dégage cette théorie, si on veut, de la compétence nécessaire, il explique que dans le gouvernement américain, le peuple en tant que tel est exclu de l'exercice des fonctions gouvernementales. Le peuple ne gouverne pas. Ce qui caractérise une république moderne, c'est que le peuple ne décide pas. Il élit, il choisit des représentants. Mais il est exclu de tout exercice actif de décision, de gouvernement au sens propre. Et Madison ajoute que ce qui sépare les démocraties antiques des démocraties modernes, ce n'est pas que dans les démocraties antiques, il n'y avait pas de représentation, car il y avait des représentants dans les démocraties antiques. Mais ce qui caractérisait les démocraties antiques, comme beaucoup de gens le savaient au XVIIIe siècle, c'est que justement le peuple était muni d'une fonction gouvernante. Le peuple réuni en assemblée prenait des décisions de type législatif, voire même administratif. Alors que, dit Madison, dans une république moderne, ceci est exclu. Et c'est ça qui rend possible le fonctionnement de la démocratie dans le monde moderne, car c'est cette exclusion qui garantit, contre l'incohérence des décisions, contre l'anarchie, contre le caractère passionné, pulsionnel, contre les emportements collectifs. Et c'est précisément parce que nous avons inventé un gouvernement qui injecte cette légalité, c'est-à-dire qui se débarrasse de cette maladie qu'est l'anarchie, qui se débarrasse de cette maladie qu'est l'incohérence des décisions prises sous le coup des passions du moment, c'est précisément pour ça que la démocratie est devenue possible. L'argument de la délibération, je n'y reviens pas, hein, on comprend assez bien pourquoi, effectivement, nous avons besoin d'échanger des arguments pour nous gouverner collectivement. Mais je voudrais mettre l'accent sur un point. Ceux qui pensent que tout gouvernement démocratique est d'essence délibérative pensent que il est légitime de croire qu'il y a un intérêt commun de l'ensemble des citoyens, quel que soit le groupe, la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Il y a quelque chose qui pourrait être défini comme un bien qui n'est pas celui de tel groupe ou de tel autre, mais qui est le bien de l'ensemble des citoyens. C'est un postulat qui est caché derrière l'idée de délibération. Si nous avons besoin d'une délibération, c'est précisément parce que nous avons besoin d'un processus par lequel nous cherchons à identifier ce qui est le bien ou l'intérêt général de l'ensemble des citoyens, sous-entendant par là que gouverner, ça n'est pas imposer la volonté d'un groupe à un autre, mais chercher quel est l'intérêt commun à l'ensemble des groupes qui composent la société. Parfois, et c'est un peu plus embêtant, c'est un des problèmes qui se posent, parfois cette théorie apparaît non pas sous la figure de la recherche d'un intérêt commun, mais sous la figure de la recherche d'un compromis. La délibération nous aide non pas à chercher ce qui satisfait l'intérêt de chacun parmi une population diversifiée, mais la délibération nous aide à atteindre un compromis acceptable, chacun ayant sacrifié une partie de son intérêt pour voir une autre partie de son intérêt satisfaite. Et il y a un léger désaccord entre intérêt commun et compromis, qui sont deux notions différentes. La quatrième valeur, hein, je l'évoquais, c'est la cohérence. Vous avez vu ce matin que certains auteurs contemporains ont dégagé l'existence de ce qui s'appelle un dilemme discursif, un phénomène assez curieux, hein, qui pourrait produire l'effet suivant. Vous avez un groupe de votants. Dans chaque groupe de ce votant, chaque individu se comporte de façon cohérente. Chaque individu ne prend que des décisions qui sont rationnellement cohérentes entre elles,
Mais les décisions atteintes par la majorité pourraient être incohérentes entre elles, parce que les majorités changent. La composition de la majorité sur la première décision et la composition de la majorité sur la seconde décision changent, en sorte que les décisions majoritaires pourraient être incohérentes, bien que les membres individuels du corps électoral ne se comportent pas de façon irrationnelle et ne prennent pas des décisions qui sont incohérentes. Alors, maintenant, si nous rassemblons ces quatre valeurs, hein, unité de la volonté, délibération, compétence, cohérence, nous voyons bien que l'idée de faire du peuple un agent autonome, indépendant des institutions qui sont les siennes, et imposant sa volonté à ses représentants, n'est pas une bonne idée. Car si nous faisions cela, nous aurions à sacrifier quatre valeurs qui nous paraissent absolument essentielles, l'unité de la volonté, la délibération, la compétence et la cohérence. Donc il n'y a pas de régime démocratique sans légitimité, nous sommes d'accord, pas de régime démocratique sans légalité, c'est-à-dire de régime démocratique qui ne donne pas satisfaction à ces quatre valeurs que sont unité de la volonté, compétence, délibération et cohérence. Je vais essayer maintenant de vous proposer de mettre sur la table quelques-unes des théories émanant de gens qui sont favorables, ou du moins qui sont apparemment favorables à l'idée d'un gouvernement du peuple par lui-même. Aussi surprenant que ça paraisse, je vais d'abord évoquer John Locke. Parce que John Locke a, pour la première fois, théorisé ce qu'on appelle un droit de résistance. Il montre que l'institution du gouvernement, c'est un acte de confiance, consiste à attribuer à des délégués une mission de confiance consistant à protéger nos personnes et nos propriétés. Je ne détaille pas la question de la propriété. Protéger nos personnes et nos propriétés, protéger notre liberté de croyance, et ainsi de suite. Il peut très bien se produire, dit Locke à plusieurs moments dans le second traité du gouvernement civil, que le gouvernement trahisse sa mission. C'est-à-dire qu'au lieu de se consacrer à la protection de nos vies, de nos personnes et de nos propriétés, il s'emploie au contraire à les assujettir à des mesures arbitraires et à les détruire au lieu de les préserver. Dans ce cas, la raison pour laquelle les citoyens ont institué un gouvernement disparaîtrait et Locke dit « le gouvernement à ce moment-là est dissous, il n'existe plus ». Car son existence repose sur le fait qu'il remplit la mission pour laquelle il a été constitué. Lorsqu'il ne remplit plus la mission pour laquelle il a été constitué, il n'existe plus. Mais à ce moment-là, Locke est confronté à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque le gouvernement est dissous? Et il a deux options. La première, c'est que le gouvernement n'était qu'un délégué d'un peuple souverain, agissant en tant que corps, selon l'image hobbesienne. Et à ce moment-là, le pouvoir revient entre les mains du peuple souverain, organisé en corps et habilité à décider et à agir en tant que corps souverain selon la loi de la majorité. Mais Locke montre très bien que cette solution est insatisfaisante parce qu'elle ferait des individus les prisonniers du corps auquel ils appartiennent. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si la majorité veut opprimer la minorité? Donc la solution qu'il propose est tout à fait différente. Lorsque le gouvernement est dissous, chacun se retrouve à la disposition de sa propre volonté. Je fais ce qui me semble bon. Et le droit de résistance ramène les individus à une situation dans laquelle la seule loi à laquelle ils sont assujettis, c'est la loi de la nature et de Dieu, c'est-à-dire une loi morale qui commande un certain nombre de protections des droits fondamentaux des individus. Et donc Locke a bien perçu le fait que la délégation contient un piège. Le gouvernement représentatif contient un piège. Il ne peut pas être sans condition. Car s'il était sans condition, il nous mettrait à la disposition de nos mandataires dans un mécanisme d'obéissance qui serait inconditionnel. Et à ce moment-là, l'objet même du gouvernement civil ne serait plus rempli. Car l'objet du gouvernement civil, c'est d'échapper à la volonté arbitraire. Mais comment est-ce que j'y échappe si le gouvernement que j'ai élu a les mains absolument libres et que je suis inconditionnellement obligé d'obéir. Donc il n'y a pas d'obligation inconditionnelle d'obéissance, il y a un droit de résistance. Lorsqu'il s'exerce, les individus reviennent à leurs conditions primitives, c'est-à-dire qu'ils ont leur raison pour se diriger, leur volonté pour se conduire. Et donc Locke a très bien compris que la représentation, si on veut, n'est possible que si nous avons une garantie de légitimité, bien sûr, très importante, c'est-à-dire si nous avons la garantie que la représentation fait bien ce que le peuple veut. Mais en même temps, il est dans le noir lorsqu'il cherche la solution. Comment faire pour que le représentant veuille bien ce que le peuple veut?
Et la seule solution qu'il trouve, c'est que quand le peuple, constitué d'une multitude d'individus, constate que le représentant ne fait pas ce que nous voulons, eh bien, nous destituons le représentant et nous choisissons d'en instituer un autre selon ce qui nous paraît préférable. Le deuxième auteur que je voudrais invoquer ici pour parler de l'idée du gouvernement du peuple par lui-même, c'est Rousseau, bien sûr. Vous connaissez tous, hein, je suppose, les textes où Rousseau dit que la souveraineté ne se représente pas, elle ne se représente pas. Soit elle est exercée directement par l'ensemble des individus qui composent le peuple, soit elle disparaît. C'est-à-dire, soit elle est aliénée, elle disparaît entre les mains de celui à qui nous la confions. Un peuple qui a des représentants cesse d'être libre, dit Rousseau. Il faut souligner trois choses à propos de la théorie rousseauiste. Rousseau raisonne dans le contexte d'un peuple qui est très spécifique. Pour lui, le peuple, c'est un ensemble d'individus parfaitement homogènes, composés de citoyens qui ont des situations matérielles identiques. Ce sont des agriculteurs, propriétaires de leurs terres ou de leur atelier, donc possesseurs des moyens de leur indépendance. Ils ont tous la même volonté. C'est-à-dire, ils ont tous la même volonté de conserver leur indépendance. Donc Rousseau raisonne dans un contexte où pour lui le problème de la formation de l'unité de la volonté à partir de la divergence ou de l'opposition des intérêts ne se pose pas. Nous voulons tous la même chose. Et c'est ce qui lui permet de dire que la délibération est inutile. Il n'y a pas d'intérêt opposé, il n'y a pas de compromis à chercher. La délibération est inutile. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un ensemble d'individus qui chacun essaie de définir ce qui serait bon pour la préservation de notre indépendance. Chacun exprime son avis là-dessus et on fait la somme des avis. Les avis extrêmes s'annulent les uns les autres. Le précipité, c'est le bien commun. Donc Rousseau raisonne en disant il n'y a pas de problème d'unité de la volonté, il n'y a pas de problème de délibération, il n'y a pas de problème de compétence. Car moi, agriculteur, moi, fermier, moi, artisan, je sais ce qui est bon pour la préservation de mon indépendance. Vous ne le savez pas mieux que moi. Certes, je peux me tromper, mais si je me trompe, alors mes erreurs seront annulées dans l'ensemble des individus. Et Rousseau dit, lorsque le peuple décide sur ce qui est conforme et nécessaire pour préserver l'indépendance des individus, il arrive à une situation qui est extrêmement claire, c'est que soit nous nous sommes trompés collectivement, et à ce moment-là, nous subissons les effets de notre erreur et nous la corrigeons. Donc, l'incompétence n'est pas un problème, car dès qu'on s'aperçoit que nous avons pris une décision incompétente, nous la corrigeons. Et quant à la cohérence, là aussi, Rousseau pense qu'un peuple composé d'individus strictement homogènes, semblables les uns aux autres, ne peut pas avoir de problème de cohérence. Car il s'agit de gens qui veulent toujours la même chose. Ils veulent tous la même chose et toujours la même chose au cours du temps. Là aussi, ils peuvent s'écarter de la ligne, bien sûr, mais les effets qu'ils subissent lorsqu'ils s'écartent de la ligne les ramènent dans la ligne. Donc, ce qui, chez d'autres penseurs, induit à dériver vers l'exigence de l'égalité, Rousseau le neutralise. Mais évidemment, c'est une réflexion qui ne nous intéresse pas tellement, parce que nous, peuple moderne, nous ne sommes pas des peuples d'agriculteurs et artisans indépendants, nous sommes des peuples composés de classes, de gens, de groupes qui ont des intérêts très très divers. Nous avons besoin de former une volonté unique, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de délibération et nous sommes menacés par l'incohérence, c'est clair. Donc la solution rousseauiste, si on veut, n'est pas recevable pour des peuples modernes. Et puis il y a deux raisons pour lesquelles la solution rousseauiste n'est pas recevable pour des peuples modernes, c'est que Rousseau lui-même met beaucoup d'eau dans son vin lorsqu'il raisonne. Il met deux fois de l'eau dans son vin. Lorsqu'il discute de la constitution genevoise, il dit très clairement la chose suivante. Le peuple n'est pas législateur. La législation appartient à un conseil restreint, appelé à Genève Petit Conseil. Ce sont les magistrats qui légifèrent. Mais ils légifèrent dans le cadre d'une constitution qu'ils n'ont pas faite. Lorsqu'on pose à Rousseau la question d'où vient cette constitution, là, il est muet. Elle est descendue du ciel. Il faut un législateur qui institue le peuple. Mais les magistrats agissent dans le cadre d'une constitution. Le peuple, lui, ne légifère pas. Ce que le peuple a le droit de faire, c'est contester des actions des magistrats lorsqu'ils pensent que ces actions s'écartent de la loi
ou lorsqu'il pense que le magistrat propose et édicte une loi qui est en contradiction avec la constitution fondamentale de l'État. Et à ce moment-là, les mandataires du peuple doivent écouter les représentations, et ici le mot a le sens de contestation, les représentations émises par les citoyens, agissant de manière régulière, c'est-à-dire agissant dans le contexte d'une assemblée générale du peuple qui peut s'auto-réunir, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de la convocation des magistrats pour exister. L'idée de Rousseau est que le peuple, en tant qu'agent politique, doit disposer d'un appareil d'auto-mobilisation. Il peut décider lui-même de se convoquer. Il ne dépend pas pour exister et décider de l'accord des magistrats. C'est parfaitement possible, par exemple, à Genève, parce qu'il y avait un mécanisme qui prévoyait des réunions périodiques du Grand Conseil, rassemblant l'ensemble des citoyens. En sorte que, deux fois par an, le peuple apparaît sur la place publique et les magistrats ne peuvent pas l'empêcher. Mais Rousseau souligne bien que le peuple ne se gouverne pas lui-même. Et vous savez que Rousseau fait une distinction capitale entre souveraineté et gouvernement. Le peuple est souverain, il fait la loi, la constitution, c'est lui qui en est le gardien. Il en est le gardien au sens où il est chargé de surveiller les écarts qui pourraient être faits par rapport à elle par les magistrats, mais il n'est pas gouvernant. Et Rousseau répète à plusieurs reprises que si le peuple gouverne, c'est l'anarchie. Si le peuple gouverne, il prend des décisions incohérentes. Si le peuple gouverne, il prend des décisions arbitraires, tyranniques. Si le peuple gouverne, ça veut dire qu'il prend des décisions qui concernent des individus particuliers. Et quand le peuple prend des décisions qui concernent des individus particuliers, il perd la garantie de rectitude qui existe parce qu'il cherche l'intérêt général. Ben, la deuxième raison pour laquelle Rousseau met de l'eau dans son vin, c'est que, à plusieurs reprises, en particulier dans le contrat social, il dit que les magistrats légifèrent et du silence du peuple, qui pourrait protester, il en a le droit, il pourrait se réunir pour le faire, du silence du peuple résulte la réputation de son accord. Il se tait, donc c'est comme s'il avait voté. Mais le peuple ne légifère pas. Tacitement, il accepte. Et on sait qu'il accepte, car il aurait le pouvoir de s'auto-réunir pour refuser. Alors, si on veut trouver une vraie théorie du gouvernement du peuple par lui-même, il faut la chercher au XIXe siècle, moment où la critique des élites a commencé à prendre son essor, chez deux auteurs, l'un français, l'autre allemand, qui ont tous deux écrit un texte qui porte ce titre, « Du gouvernement du peuple par lui-même ». L'un s'appelle Moritz Rittinghausen, Rittinghausen, et il a écrit un livre qui s'appelle « La législation directe par le peuple ». Et l'autre, c'est un penseur socialiste, entre guillemets, français, qui s'appelle Victor Considérant, qui a écrit aussi un texte qui s'appelle « Le gouvernement du peuple par lui-même ». Ces deux auteurs ont une pensée très très voisine. Les textes ont été publiés entre 1848 et 1851 à Paris, y compris le texte de Moritz Rittinghausen, qui est allemand mais qui résidait à Paris. Ce que ces deux penseurs proposent, c'est une législation directe. Le peuple lui-même fait la loi. Et voilà le modèle qu'ils proposent. Vous avez des assemblées primaires composées de 500 à 1000 citoyens. Et sur toute question politique qui se pose, elles doivent être tranchées par ces assemblées primaires. Chaque assemblée primaire se réunit, puis on totalise, non pas les voix individuelles, mais le nombre d'assemblées qui ont voté en faveur d'une mesure, et s'il y a une majorité d'assemblées qui ont voté pour cette mesure, alors la loi est adoptée. Ce qui suppose qu'il y a des questions qui se posent naturellement. Voici l'exemple que Rittinghausen donne. Voulons-nous changer ou modifier la loi qui gouverne la prescription en matière pénale? Alors, est-ce qu'il y aura une prescription en matière pénale? Si oui, de combien de temps? Si vous la mettez à tant d'années, est-ce que ce sera la même pour les crimes, pour les délits, et ainsi de suite? Autrement dit, ces gens semblent supposer qu'un ensemble politique est confronté à des questions dont l'ordre est naturel. L'ordre des questions est naturel, il n'a pas à être fixé préalablement par une institution, il se pose. Cet ordre, et le peuple répond. Alors, comment est-ce que ces deux penseurs justifient cette proposition? C'est par l'idée, précisément, que la représentation, c'est une usurpation. Et ils pensent qu'une souveraineté, si elle est exercée par délégué, par délégation, est absolument, illusoire. Si vous avez une assemblée centrale qui rédige des lois, alors les lois sont faites par une minorité et non pas
par le peuple lui-même. Et il faudrait donc une délégation dont, considérant, on dit qu'elle ne doit être que le ministre du peuple, et par conséquent qu'elle soit révocable à tout instant. Avec évidemment, si vous avez des représentants, des mandats impératifs. Seule garantie, dit-il, pour que les décisions prises par leurs représentants restent dans la ligne de ce que veut le peuple. Une dimension intéressante de la pensée de ces gens, c'est qu'ils ne veulent pas de constitution. Pas de constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? C'est une prison dans laquelle la volonté populaire est enfermée. C'est une prison dans laquelle le peuple est empêché de vouloir ce qu'il veut par lui-même. Et ils montrent d'une façon assez cohérente qu'une constitution, c'est un mécanisme qui dit « le peuple veut une chose, mais à côté du peuple, il y aura des entités politiquement constituées dont la volonté sera mise en balance avec celle du peuple. » En sorte qu'avoir une constitution, c'est comme dire au peuple qu'il ne pourra vouloir une chose qu'à condition qu'une élite soit d'accord avec ce qu'il veut. Et toute constitution a pour effet d'équilibrer la volonté du peuple par la volonté d'une élite, comme si la volonté du peuple ne peut devenir loi qu'à la condition d'être admise ou considérée comme acceptable par une élite. Et Rittinghausen dit, mais ça, c'est une suppression de la souveraineté populaire. Et là où c'est très intéressant, c'est que Rittinghausen commence à dire, il y a un intérêt social. Et l'intérêt social, c'est l'intérêt du plus grand nombre à échapper à l'oppression et à la domination. Il y a un intérêt du plus grand nombre dans une société moderne à échapper au type de pouvoir que l'élite tente de lui faire subir. Et Rittinghausen dit, qui est l'interprète qualifié de cet intérêt du plus grand nombre à éviter l'oppression, sinon le plus grand nombre lui-même ? En sorte qu'il en arrive à une idée assez simple, qui est que la majorité, dans une démocratie moderne, a raison, nécessairement raison. Pourquoi elle a nécessairement raison ? Parce qu'elle veut une chose que l'élite ne veut pas. L'élite veut des formes d'oppression, la majorité veut éviter l'oppression. Et si nous voulons un régime de liberté, nous devons confier le pouvoir à la majorité, meilleure interprète de ce qu'il appelle l'intérêt social. L'intérêt social, c'est l'intérêt du plus grand nombre pour échapper à la domination. Et Rittinghausen dit, je sais qu'on a imaginé des tas de mécanismes pour contrôler les mandataires, ils sont tous absolument inefficaces. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui veulent autre chose que ce que veut l'intérêt commun, l'intérêt du plus grand nombre, aucun artifice ne les forcera à vouloir ce qu'ils ne veulent pas. L'élite veut son propre intérêt qui tend à la domination. Aucun artifice politique ou procédural ne peut la contraindre à vouloir quelque chose qui est contre son intérêt, à savoir l'indépendance et la liberté du plus grand nombre. Et par conséquent, ces gens sont absolument convaincus qu'il faut détruire toute forme de régime représentatif pour une raison assez simple, c'est qu'une société moderne est constituée de deux intérêts. Il y a un intérêt du plus grand nombre pour la non-domination, et puis il y a un intérêt du petit nombre pour quelque chose qu'il faut bien appeler l'exploitation, l'oppression, la domination. Et donc un régime deviendra un régime de liberté si nous confions au plus grand nombre, lui-même, sans délégation, car toute délégation est une délégation qui remet le pouvoir aux mains des élites, cet intérêt pour la liberté, pour la non-domination, ne sera satisfait que si, effectivement, nous avons le pouvoir de confier l'ensemble des décisions au peuple lui-même. Bon, un argument très intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfaisant ? Celui qui l'a très bien montré, c'est Louis Blanc, un socialiste français pourtant. Et Louis Blanc a émis une série d'arguments qui sont absolument imparables contre la théorie proposée par Rittinghausen et considérant. Première chose, la législation par le peuple, dit-il, c'est une législation qui aura pour effet, comme il le dit, d'éparpiller la souveraineté. Vous allez avoir 37 000, 40 000 assemblées populaires dont chacune aura sa volonté, dont chacune va se prononcer sur un ordre naturel des questions qui n'existe pas. En sorte que les questions auxquelles les assemblées primaires vont répondre ne seront pas les mêmes. Comment voulez-vous dégager un vœu national, dit Louis Blanc, à partir du vœu de 40 000 assemblées primaires ? C'est absolument impossible. Donc, confier la souveraineté au peuple, dire que le peuple doit se gouverner lui-même, c'est en fait anéantir la souveraineté populaire. C'est la rendre incapable de se formuler, tout simplement. La législation par le peuple, ça voudrait dire qu'on soumet les lois au peuple, c'est absurde, parce qu'il faudrait qu'ils puissent se réunir, et Louis Blanc utilise cet argument, il faudrait qu'ils puissent se réunir pour délibérer. Il n'y a pas d'ordre naturel des questions. Il n'y a pas
comment dire, de questions qui tombent du ciel. Les questions sont posées, elles évoluent dans la manière dont le débat est conduit. Il faut donc une possibilité de délibération. Mais confier la décision au peuple lui-même, c'est rendre la décision absolument impossible. Et puis surtout, Louis Blanc a un argument qui est très important. Il dit la chose suivante. Le peuple se gouverne lui-même. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'ailleurs vous l'avez avoué, que la majorité gouverne la minorité. Ça veut dire que vous confiez le pouvoir au plus grand nombre de dicter sa volonté au plus petit nombre. Qu'est-ce qui justifie le principe de majorité? Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Et Louis Blanc dit, moi, il me semble que la seule chose qui légitime un pouvoir, c'est que ceux qui décident ont, comment dire, une compétence supérieure à ceux qui sont gouvernés. Est-ce que le grand nombre jouit de cette garantie de compétence? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je pense que le plus grand nombre, dans une société comme la nôtre, le plus grand nombre, c'est le plus grand nombre de ceux qui sont ignorants des matières politiques. Le gouvernement du plus grand nombre sera nécessairement le gouvernement des ignorants. Mais je veux répondre, dit Louis Blanc, à l'argument qui consiste à dire « Mais alors, si le principe de majorité n'est pas valable dans la nation entière, pourquoi le serait-il dans une assemblée représentative ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Car dans une assemblée représentative, les gens ont été élus. Et vous pouvez postuler que les membres de l'assemblée représentative sont équivalents les uns aux autres en lumière et en compétence. Lorsque vous avez une pluralité de gens dont vous pouvez postuler qu'ils sont également compétents, la loi de la majorité est la moins mauvaise manière de décider. Mais lorsque vous avez une pluralité de votants dont vous savez que le plus grand nombre est moins compétent que le petit nombre, la loi de la majorité est une absurdité radicale. Donc, vous ne pouvez pas avoir une idée du gouvernement du peuple par lui-même. Et Louis Blanc ajoute trois arguments qui me semblent très très importants pour contester le gouvernement du peuple par lui-même. Le premier, il est faux que sous prétexte que le peuple peut juger ses mandataires, il peut aussi faire ce que font ses mandataires. Ce n'est pas parce que je peux apprécier le travail de mon médecin que je suis capable de me soigner. Ce n'est pas parce que je peux apprécier le travail de mon avocat que je suis moi-même capable de débrouiller une question juridique complexe. Ce sont deux compétences complètement différentes. Il y a une compétence politique que le peuple, composé d'individus ignorants ou moins compétents, ne posséderait pas. Deuxième argument, les assemblées primaires que vous évoquez, le peuple lui-même, c'est un trompe-l'œil. Car nous avons observé, Louis Blanc le sait, aussi bien dans la Révolution française de 1789 à 1794 qu'au cours de la Seconde République entre 1848 et 1851, que dans les assemblées primaires, ceux qui s'expriment, ce n'est pas le plus grand nombre. D'ailleurs, il n'y paraît pas la plupart du temps. Les assemblées primaires ne sont composées que de gens d'élite, justement. En sorte que sous couvert de confier le pouvoir au peuple, vous redoublez en réalité, mais de façon occulte, le pouvoir des élites. Et au demeurant, dans une conversation, dans une assemblée primaire, ceux qui ont de l'éducation et de l'instruction l'emportent de façon décisive sur ceux qui en sont dépourvus. En sorte que l'idée de confier le pouvoir à des assemblées primaires est un leurre. Et le troisième argument est très important lui aussi. Louis Blanc explique que la critique de la Constitution chez ces gens, considérant à Rettinghausen, est très importante parce qu'ils ont le fantasme d'un gouvernement sans loi ou d'une action publique du peuple sur lui-même sans loi, sous la conduite immédiate de la raison naturelle. Et Louis Blanc sait très bien, ça a été repris par des analystes modernes qui ont très bien expliqué ça, qu'une des raisons pour lesquelles le régime jacobin a dérivé en terreur, c'est qu'il est fondé justement sur l'idée d'un assujettissement direct des individus à la loi de nature sans la médiation d'organismes gouvernementaux, qui ont la capacité de médiatiser les décisions, de les retarder et de les rendre cohérentes. Cette idée d'un gouvernement immédiat sous la loi de la nature est catastrophique. Bien, alors maintenant, on va pouvoir conclure. On a l'exigence de légitimité, on a compris qu'elle est très importante, on a l'exigence de l'égalité. Est-ce qu'on peut harmoniser les deux? On doit pouvoir, à condition d'introduire une idée, qui a été introduite par un philosophe que malheureusement on ne lit plus assez, c'est le marquis de Condorcet.
Vous savez qu'il a été l'auteur d'une constitution avortée, puisqu'elle n'a jamais été mise en application, on en parlait tout à l'heure, en février-mars 1793. Et Condorcet raisonne en disant « Nous pourrions trouver la solution à notre problème si nous faisions la chose suivante, c'est-à-dire si nous réussissions à injecter une dose massive de participation dans le processus politique, de façon à donner satisfaction à l'exigence de légitimité. Mais si en même temps nous avions des institutions capables de dépouiller cette participation des dangers qui sont inhérents à ce mode de décision, à savoir l'anarchie, l'incompétence et l'incohérence, et le manque d'unité dans la volonté. Comment faire pour avoir de l'égalité politique, donner une voix à chaque citoyen, faire que chaque citoyen prenne part à la décision, participe, satisfasse l'exigence de légitimité, mais en dépouillant cet exercice de la légitimité populaire, donc de la participation et d'égalité politique, des dangers qui sont les siens. Et il imagine une constitution dont on comprend bien, nous, 200 ans après, qu'elle est impraticable, mais qu'elle contient des idées qui sont très très précieuses. Il pense qu'il faudrait qu'il y ait des assemblées primaires, comme Considérant et Rietinghausen le feront, et que ces assemblées primaires aient en quelque sorte des pouvoirs qui sont nombreux, en particulier élire les représentants, forcer le gouvernement à convoquer une convention constituante, décider par lui-même sur les modifications éventuelles de la Constitution, contester les lois lorsqu'il pense, le peuple, qu'elles ne sont pas conformes à l'intérêt commun. Mais là où c'est intéressant, c'est lorsque Condorcet parle des modalités pratiques suivant lesquelles il pourrait confier au peuple le pouvoir de contester les décisions prises par les législateurs. Et voilà le mécanisme super compliqué, bien entendu, qu'il propose. Le législatif vient de voter une loi. Moi, citoyen, je pense que cette loi est oppressive. Alors, je réunis sur une pétition, au sein de mon assemblée primaire, 50 personnes qui partagent mon avis et qui pensent que la loi est oppressive. Ça représente à peu près 10% de l'assemblée primaire. Si j'ai réuni ces 10% de l'assemblée primaire de ma commune doit se réunir. Elle ne peut pas refuser. Et elle doit statuer sur la proposition que nous faisons, cette loi est oppressive. Si l'Assemblée primaire vote en faveur de notre résolution sur laquelle cette loi est oppressive, les autres assemblées primaires du département doivent se réunir et se prononcer. Supposez maintenant que l'ensemble des assemblées primaires du département se soit prononcé en faveur de notre résolution déclarant que cette loi est oppressive. Un département a donc résolu que la loi était oppressive. Tous les autres départements doivent prendre position. Les assemblées primaires doivent être réunies et décider si oui ou non la loi est oppressive. Si l'ensemble des départements, la majorité d'entre eux bien entendu, décide que la loi est oppressive, alors l'Assemblée législative au sommet doit reconsidérer sa position, voter une seconde fois. C'est-à-dire elle doit revoter sur la loi qu'elle a votée. Elle est contrainte de le faire. Elle ne peut pas refuser. C'est la Constitution qui le prescrit. De deux choses l'une. Ou bien l'Assemblée législative décide que oui, la loi était oppressive, elle est abrogée. Le peuple a satisfaction. Ou bien l'Assemblée législative décide que non, la loi n'est pas du tout oppressive, nous voulons la maintenir. À ce moment-là, la décision redescend vers les assemblées primaires. Et si une seconde fois les assemblées primaires, suivant la même modalité, votent pour dire que cette loi est oppressive, l'Assemblée est dissoute. L'Assemblée législative est automatiquement dissoute. Et non seulement l'Assemblée législative est automatiquement dissoute, mais d'autres élections sont immédiatement convoquées, de droit, hein, sans que personne parmi la magistrature puisse s'y opposer, et les députés qui, dans l'Assemblée législative au sommet, ont voté pour le maintien de la loi, désormais considérée comme oppressive par le peuple, les députés qui ont voté pour le maintien de la loi sont non rééligibles. Ah ben vous êtes contre le vœu du peuple, vous ne pouvez pas le représenter. Donc ils sont non rééligibles. Alors vous voyez comme c'est un mécanisme intéressant, parce que dans ce dispositif, le peuple ne gouverne pas. Il ne peut faire aucune loi par lui-même.
Il ne peut absolument prendre aucune décision sans le concours de ses mandataires. Mais voyez aussi à quel point le peuple n'est pas réduit à un rôle qui est celui que des gens comme Montesquieu, mais aussi Sieyès et bien d'autres lui attribuent, le pur rôle de choisir. Et Condorcet met le doigt très exactement sur le point où cette théorie de la démocratie moderne élaborée par Montesquieu, par Sieyès et par Madison pêche, en disant « oui, le gouvernement est nécessairement représentatif, mais nous voulons une garantie que la représentation soit bien une représentation du peuple et que l'élite ne commence pas à se représenter elle-même. Nous voulons une garantie d'un maintien de la concordance entre ce que veut le représentant et ce que le peuple veut. Mais nous ne voulons pas confier au peuple la possibilité d'avoir une volonté entièrement indépendante. Mais nous voulons lui confier la capacité de maintenir la volonté du représentant dans le chemin qui est celui tracé par la volonté du peuple. » Et à ce moment-là, vous pourriez avoir une sorte d'harmonisation entre l'exigence de légitimité qu'on vient d'énoncer et l'exigence de l'égalité. Vous avez une représentation qui est réelle, elle n'est pas fictive, il n'y a pas de mandat impératif, il n'y a pas de révocation possible des députés sur simple volonté de leur mandataire. Mais de l'autre côté, si la représentation est réelle, la volonté du peuple n'est pas réduite à un pouvoir d'élection. Elle n'est pas réduite, comme les théoriciens de la démocratie représentative voudraient nous le faire croire, à la simple possibilité d'exprimer par l'opinion publique le désaccord que nous avons avec les actions de nos gouvernants. Et Condorcet, je conclue là-dessus, souligne un dernier point. C'est quand même très embêtant dans une démocratie, un régime qui prétend à la légitimité, c'est très embêtant de dire aux citoyens, c'est quelque chose qui est très, comment dire, qui a des échos contemporains, c'est très intéressant, c'est très important de dire, c'est très important que on ne puisse pas dire aux citoyens, bon, il y a 5 ans, vous avez voté pour un homme, vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Vous avez eu des mesures que vous estimez contraires à vos intérêts, voire même oppressives. Mais maintenant que ces mesures ont été appliquées et que vous en avez subi les effets, sachez bien que vous avez le pouvoir de renvoyer la personne qui en est l'auteur dans ses foyers. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un régime qui prétend à la légitimité si vous obligez les citoyens à subir les effets de mesures qu'ils estiment oppressives en leur disant « mais c'est pas grave, dans 5 ans, vous pourrez renvoyer leurs auteurs ». Il faut que, au moment où le peuple pense qu'une mesure lui est contraire, il ait la possibilité d'y faire obstacle, sans que pour autant il soit législateur et qu'il puisse intervenir directement. Mais il peut faire obstacle. Voilà.